Alors nous avons été amenés, lors de la période de confinement, à essayer d'élaborer des solutions techniques qui permettent à des étudiants de pouvoir travailler à distance, à la fois en utilisant les moyens, les ressources qui leur sont propres, mais également en utilisant les ressources propres à l'UTBM. Alors bien évidemment, on s'en est sorti, mais avec de grandes difficultés. Il a fallu un peu ouvrir toutes les armoires de l'UTBM, faire le tour des formations, essayer de trouver les moyens techniques les plus adaptés. Et malgré tout, il y a des étudiants qui sont un peu retrouvés sur la touche. Et on a été confronté à cette situation assez clairement. Donc aujourd'hui, on se pose la question comment renforcer un peu nos ressources pour permettre aux étudiants, à tout étudiant quel qu'il soit, de pouvoir accéder à nos ressources informatiques avec bien sûr des moyens qui sont relativement performants parce qu'il y a aussi le niveau de performance puisqu'on attaque des logiciels quand même assez structurés. Aujourd'hui, l'UTBM met à disposition du matériel. L'UTBM a ouvert les canaux de transmission pour que chacun des étudiants puisse accéder aux logiciels qui se trouvent à l'UTBM. Malheureusement, certains de nos étudiants ne disposent pas des matériels adéquats pour y parvenir. Et donc la question qui se pose, c'est comment allons-nous accompagner nos étudiants pour accéder effectivement à toutes ces ressources. Cher réseau de la Fondation, vous êtes plus de 8000 à contribuer, à interagir et à collaborer avec l'établissement. Aujourd'hui, la Fondation de l'UTBM a besoin de vous pour contribuer à ce projet qui est très important dans ce contexte particulier de la crise Covid. Les étudiants ont pour certains de grandes difficultés à se connecter et à avoir les moyens pour assister correctement aux cours. Et nous avons besoin de vous pour partager ce projet, le partager massivement sur les réseaux sociaux, auprès de vos proches, de vos familles, de vos amis. Nous comptons sur vous pour soutenir ce très beau projet en faisant des dons sur le site de l'UTBM et dans l'onglet de la Fondation avec le lien qui s'affiche ci-dessous. Merci à vous, nous comptons sur vous.